dos au mur après avoir été une nouvelle fois au bord de la dérive face à l'Angola. Les Léopards de la RDC n'ont pas amélioré leur situation dans le groupe, n'occupant qu'une piteuse troisième place en n'ayant jamais gagné un match dans ces éliminatoires. Et pourtant, les hommes de Christian Sengibembe ont joué deux matchs à la maison, ne prenant que deux points au stade des Martyrs et un autre nul à Banjul face à la Gambie. Bilan chiffré écœurant. Alors qu'une majeure partie des Congolais a une grise mine après la rencontre devant l'Angola, le premier sportif de la RDC a encouragé les Léopards. Le président de la République a ordonné aux Congolais de ne pas baisser les bras aussi rapidement tant que tout n'est pas encore fini. En tout cas, on a une bonne défense. Il ne faut pas se décourager, surtout pas. C'est bien. C'est vrai qu'on fait match nul, mais on a de très bons talents. Il faut simplement les... Ce lundi, les Léopards se sont rendus en Angola avec une feuille de route claire comme de l'eau des roches. Gagné pour se sortir d'un scénario qui mène tout droit vers le couloir de la mort.